Salut à tous ces chats et bienvenue sur Bugland. Alors aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs abonnés, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer où trouver l'armure X01, donc l'armure assistée la plus puissante du jeu de Fallout 4. Et donc pour ça, alors on se donne rendez-vous à la tour Custom House Tower, donc qui est juste à côté de Godnaibor, donc il suffit de la trouver, vous voyez, elle est à côté du ponton. Donc voilà à quoi ça ressemble, une fois que vous atterrissez là, donc si vous vous TP c'est encore mieux, c'est ici que vous atterrissez, vous prenez tout de suite à gauche. Donc là vous avez quelques ennemis, vous balayez, et l'idée c'est de se retrouver justement devant la pancarte avec écrit cour 35. Voilà, donc on va rentrer dans le bâtiment, et une fois à l'intérieur il suffit de prendre l'ascenseur que vous avez tout de suite en arrivant. Donc méfiance, hein, les deux ennemis que vous allez rencontrer, donc c'est deux robots assez costauds, dont un qui a la fâcheuse manie de one shot, donc à gérer tout de suite. Donc allez-y équipé. Si vous n'êtes pas équipé, au moins minimum, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc faites pas les foufous, hein, dès que vous sortez de l'ascenseur, ça va pas tarder à déclencher justement les robots. Et afin d'éviter de vous faire démonter, il va falloir les attaquer en premier, donc bien anticiper leur présence et essayer de tuer donc le petit robot, je me souviens plus du nom, on va le voir dans la vidéo, de le tuer en premier dès sa sortie. Donc là, dès que vous sortez de l'ascenseur, donc ça se passe vers ici, voilà, vous montez, donc il n'y a pas de pillard ni rien, c'est juste vraiment deux robots assez costauds. Donc voilà, l'armure assistée se trouve ici, là vous voyez, il y a une porte à droite, une porte à gauche, et c'est là que les ennemis vont sortir, donc on anticipe un petit peu, hop, donc c'est celle de gauche qui va nous intéresser, c'est lui qu'il faut tuer le plus rapidement possible, le voilà, l'Azerotron. Donc faites attention, les deux ennemis explosent, donc restez pas à portée une fois qu'ils sont morts, pas risquer de vous faire défoncer par l'explosion. Et donc voilà, une fois que vous avez tué un, il reste plus qu'à tuer le second, donc le robot sentinelle. Et là, comme je vous ai dit, attention à l'explosion, éloignez-vous le plus possible. Une fois que vos deux ennemis sont vaincus, il suffit tout simplement d'aller presser le bouton d'allumage que vous avez dans les pièces de là où sont sortis justement ces deux robots. Et ça va ouvrir la troisième salle où se trouve notre fameuse armure X01MK. Voilà, donc il y a déjà un réacteur à fusion dessus, il n'y a plus qu'à l'équiper. Et partir. Donc là, bizarrement, le skin, c'est pas du tout le skin qu'on va obtenir en entrant dans l'armure, donc n'ayez pas peur. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour votre progression dans Fallout 4. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao! Go, 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 go.